Monsieur le maire, bonjour. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter votre village ? Ville-Comtal, en quelques mots, vous avez une heure à passer parce que c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant plusieurs heures. Ville-Comtal, petite commune, 430 habitants, mais un bassin de population important. Avec ce qui est remarquable, c'est tous les services. Aujourd'hui, quand on arrive dans Ville-Comtal, on a les services de santé, on a les commerces de bouche et on a une aire de camping-car participative où vous êtes bien sûr les bienvenus à chaque fois. Justement, pour parler de l'aire participative, parlez-nous un petit peu des camping-cars, des camping-caristes, dans les bons et les mauvais côtés que vous pouvez... Je vais commencer par les bons, comme ça va durer plus longtemps. Non, l'aire de camping-car, oui, ça a été la transformation d'une aire de camping, en fait, quand il y a eu un projet privé de création d'un camping glamour sur les hauteurs de Ville-Comtal, dans les bois. On a transformé cette aire de camping en aire de... Et on a une aire de camping-car participative où vous êtes, bien sûr, les bienvenus à chaque fois. Du coup, les camping-caristes profitent énormément du village, consomment sur le village. On a une aire qui est en plus ombragée, c'est pas une création récente, donc on a des arbres. On essaie de vous l'entretenir au maximum pour votre plaisir. Les points négatifs, qu'on est un peu en zone inondable et qu'il y a des mesures à respecter, mais honnêtement, les points négatifs sont insignifiants par rapport à le bénéfice qu'on a à vous accueillir. Justement, participatif, vous avez dit, est-ce que tout le monde joue le jeu ? On peut pas dire, on ne tient pas les comptes, on ne connaît pas un camping-car par camping-car qui laisse et on ne veut pas le savoir. L'essentiel, c'est que derrière, ceux qui jouent le jeu compensent les autres. Et pour nous, c'est parfait. On rend un service, il y a des gens qui viennent sur le village. La question de tarif ou de participation, c'est une chose, mais c'est pas la plus importante. Projet touristique, projet de la communauté de communes, la véloroute Vallée du Lot aussi, qui arrive sur Ville-Comtal, avec une variante qui suit le Dourdou et qui remonte par Rodel que vous avez visité. Donc voilà, tout ça va permettre d'amener de nouveaux pratiquants, de nouveaux touristes sur Ville-Comtal. Et pourquoi pas quelques vélos qui soient suivis par des camping-cars, ça serait parfait. Merci à vous et bonne fin de séjour chez nous.